Mesdames, Messieurs, bienvenue, bonsoir. L'idée qui est à la racine de ce prix est celle de récompenser les projets d'investissement des petites et moyennes entreprises suisses en France et français en Suisse. Pour ce faire, un jury a sélectionné les finalistes de ce soir en s'appuyant sur différents critères. L'intensité technologique du produit développé, son originalité, le nombre d'emplois créés, les fonds investis en pourcentage du chiffre d'affaires. Oui, en effet, c'est une soirée importante pour nous parce qu'en fait, elle conclut un petit peu notre activité 2014. Et elle se consacre effectivement au projet des sociétés suisses et des sociétés françaises qui ont tenté, quelque part peut-être aussi le risque pour elles, de se développer sur des marchés qui sont respectivement complémentaires. Depuis plus de 10 ans, le Swiss Business Hub donc, a cette mission d'accompagnement auprès des sociétés suisses primo-exportatrices qui ont des projets d'exportation par la recherche de partenaires commerciaux français. Depuis le 1er janvier 2012, nous avons également reçu la mission de notre partenaire Switzerland Global Enterprise, qui est l'équivalent du Bifrance en Suisse. Nous sommes mandatés depuis 2 ans pour accompagner les sociétés françaises dans leur prise de position sur le territoire suisse. Donc des sociétés françaises qui cherchent aussi un moyen de se développer en utilisant le tissu économique suisse et la compétence scientifique de la Suisse dans beaucoup de domaines. Bonsoir à tous, merci de cette table ronde. On ne va pas parler tout de suite d'économie, politique. Ce qui vous frappe quand vous arrivez en France, vous êtes là ici depuis 4 mois, vous êtes correspondant, vous êtes journaliste, vous voyez évidemment beaucoup de monde. Quelles sont les images qui vous frappent? Et puis on demandera à M. Garçon de se souvenir, les premières fois que vous avez travaillé en Suisse, vu la Suisse, qu'est-ce qui vous a marqué, l'impression générale. Puis après on parlera d'économie, de modèle d'un pays et de l'autre. Bon, moi, j'ai toujours l'impression que vous avez tout. J'ai jamais quitté la France depuis le 26 juillet, parce que j'ai tout ici. Je vais à la mer, même les bananes à Carrefour, c'est made in France. Ça, en Suisse. Ça, je n'avais encore jamais entendu. Mais c'est vrai, hein. Ce qui me rend aussi très confiant, la France, je découvre des gens très. Très motivé, très cultivé, très engagé. Alors, monsieur Garçon, en l'espace de 3 années, il y a une amnésie de tout ce que Ziegler a pu dire sur la Suisse, à savoir que c'est un pays qui est entre les mains de mafieux, qui a des banques affameuses, qu'il y a Nestlé qui gère son lait de manière calamiteuse en Afrique. Tout ce discours a disparu. C'est-à-dire que le discours des Français sur la Suisse est désormais un discours d'une immense curiosité positive. J'ai les enveloppes, j'ai les prix, c'est que les finalistes attendent avec impatience. C'est un jour important pour nous parce que déjà c'était inattendu. En tant que petite structure, on n'ambitionnait pas d'obtenir ce prix-là. Il est évident qu'on souhaite remercier le Swiss Business Hub qui nous a accompagnés dès le début puisqu'on avait rencontré Marie Coud à l'époque 6 mois avant la création de la structure en Suisse, ce qui nous a permis de se mettre en rapport avec les bons acteurs locaux pour permettre une implantation la plus efficace possible. Nous accompagnons des projets français qui souhaitent prendre position sur le tissu économique suisse, principalement dans le cadre du transfert de technologies, en utilisant les tissus et les compétences et la fertilisation croisée des compétences du pays pour l'international. Premier classé, la Russie. Yeah! Nous,
on travaille juste à deux autour de notre distillerie pour développer notre absinthe. Et le fait qu'on ait gagné, je trouve que c'est un joli clin d'œil. Ça veut dire que quelque part, on a quelque chose à faire là. On a un joli produit, on a une jolie façon de le vendre. On a un projet qui apparemment tient la route au point de vue économique. Et c'est ça que ça récompense. Sans le Swiss Business Hub, on n'en serait nulle part parce qu'on n'aurait pas eu ce know-how pour tirer les bonnes sonnettes au bon moment. Et ça, quand vous venez de Suisse, essayer d'ouvrir une société en France aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose d'utopique. Donc l'aide du Swiss Business Hub a été primordiale. Nous accompagnons tous les jours des sociétés suisses en les aidant à rechercher des partenaires commerciaux sur le territoire français, tous secteurs d'activité confondus. Voici votre cadeau. Pour moi, ce n'était pas intuitif au début de comprendre pourquoi un prix, mais je me suis rendu compte que pour des jeunes entreprises qui innovent, qui viennent de se lancer avec seuls, avec sur leur terrain, avec ce qu'ils ont inventé, c'est important aussi d'avoir des reconnaissances telles que peut l'être le prix de l'ambassadeur. Ça, c'est à nous. Et c'est grâce au Swiss Business Hub.